si j'étais dans le métro, je suis pas certain que je regarderais les gens dans les yeux en faisant, en bougeant. Mais ici, je me risque à le faire en confiance parce que les gens qui sont ici, ils sont sensibles aux mêmes choses que moi. On pourrait mettre avec les mains si tu nous aides aussi en même temps. Chlouk. Chlouk. On peut être intéressé à danser, pourquoi? On peut être intéressé à proposer la danse à des personnes de 70 ans. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais pour moi, la danse est à tout le monde. Inspire, et comme hier, caresse le visage. Oh. Un vrai toucher, le corps. Jusqu'en bas, jusqu'aux pieds, jusqu'à la terre. Et remonte. La terre, les pieds. Est-ce qu'il y en a qui sentaient qu'il y avait un peu trop de proximité? Parce que moi, je sais que j'ai pris les mains d'un homme, puis je savais plus regarder, là. Tu m'as posé la question, si je suis prêt, si je peux, si je sens que je peux plus les pousser, j'ai répondu que j'ai pas amorcé le projet comme ça. J'espère ne pas le terminer avec cette « Ah, ben là, je pourrais le pousser. » Par contre, vite dans le processus, il fallait que je leur fasse part dans quel type d'arène. Si on dit que être en scène, c'est se mettre en danger, en quelque part, on peut faire un lien avec une arène. Donc, dans quel type d'arène j'allais les placer. Progressivement, quand on cherche un peu dans la vie à croquer dans la vie, on découvre des petites choses, puis notre confiance en soi, elle remonte d'une coche. Le fait de se mettre en mouvement et de, on pourrait dire, de dire oui au fait d'être incarné, en fait, c'est ça pour moi la danse, un coup d'honorer l'incarnation, c'est à tout âge. Puis qu'il y a aussi un poids de l'existence ou une maturité, une espèce de corps qui a vécu un kaléidoscope de possibilités déjà pendant plus de trois quarts de siècle, quoi.